Salut à tous. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, Panion Box, pourquoi? On va expliquer ça, et comme vous l'avez vu là depuis un mois, j'ai pas fait de vidéo, pas parce que j'ai pas eu envie, parce que j'ai pas eu la Panion Box. Alors, j'avais dit que j'avais pris un abonnement 3 mois, ce qui est vrai, j'avais pris un abonnement 3 mois, mais je n'ai pas jamais reçu la Panion Box. La raison, elle est simple, enfin elle est simple, non, la raison, elle est sombre plutôt, c'est à cause de la guerre qu'il y a en ce moment. Alors déjà d'une, c'est pas cool, et de deux, ça bloque le trafic aérien en fait, ça handicape le trafic aérien assez lourdement, et surtout au niveau du Japon. Ceux qui sont partis, par exemple, le pays vient de se réouvrir en fait pour tout ce qui est visa travail, pour tout ce qui est études, donc le pays vient de se réouvrir, et ceux qui partent en ce moment subissent donc ces vols qui sont encore plus longs que d'habitude. Et c'est dû à cette guerre, bien évidemment, en Ukraine. Mais pourquoi est-ce que Panion Box n'a pas envoyé les box par DHL, par d'autres transporteurs et tout ça? Simplement à cause du coût, parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Et le problème, c'est que là aussi, il y a un nombre d'avions limité. C'est le même problème en ce moment, le coût et aussi la place. Donc, pas de Panion Box le mois dernier, donc mars, il n'y en a pas eu. C'est pas pour autant qu'elles sont pas prêtes, elles sont prêtes, attention. De ce que je sais, elles sont faites, elles sont emballées et tout, mais elles sont pas envoyées. C'est pas une espèce d'excuse pour dire « Ah ben, hein, on les fait pas ». Non, elles sont faites, voilà, il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est fait. On arrive au mois d'avril, on est au mois d'avril, là. Pas de box. Ça commence à faire 2 mois. Alors on a entrevu le début d'un espoir de solution, donc Panion Box pourrait là envoyer les deux box à la fin du mois. Mais c'est pas sûr, c'est voilà, c'est à prendre avec des pincettes et tout ça. Donc pour l'instant, pas de box, pas de... voilà. Je viens de prendre 3 mois, je suis content, voilà. Mais oui, malheureusement, voilà, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça, voilà. C'est tombé au mauvais moment. Après, peut-être que ça amènera une réflexion plus tard sur l'expédition, voilà, des Panion Box. Alors, sachant qu'on paye des frais d'envoi déjà, qui sont ça va, voilà, sur une échelle de... c'est en ça va. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est transporteur DHL ou les autres qui pourraient prendre une taxe. Et bon, y a la taxe, hein. On rappelle, depuis juillet l'année dernière, il y a une putain de taxe de merde pour l'Europe. Merci l'Europe, hein, voilà, je allez tous vous faire... Et donc c'est, en plus de ça, vous pouvez avoir une douane là-dessus, un dédouanement en fait. Ça m'est arrivé, ça m'a coûté la peau du cul, honnêtement, et j'ai plus jamais commandé là où j'ai pris ce truc là. Donc voilà, c'est pas intéressant pour vous, c'est pas intéressant pour eux. Voilà, le but c'était quand même d'avoir une box avec des produits originaux, des produits traditionnels, des produits de la pop culture, des animés, des mangas, qui soient accessibles, qui soient pas chers, ça, voilà. Pas cher, je m'entends, parce qu'elle est vraiment pas chère. Je suis désolé, quand j'ai vu les autres box sur le marché, et j'en ai fait, d'ailleurs les vidéos sont sur cette chaîne, allez voir, allez checker ça, elle est pas chère. Voilà, au niveau contenu et prix, c'est pas cher. Donc, on espère, à la fin du mois, avoir une bonne nouvelle, pour vous comme pour moi, surtout pour moi, parce que j'ai payé et j'ai rien, et malheureusement, pour l'instant, on est dans le flou, donc on en sera plus à la fin du mois. Donc, si ça arrive, effectivement, qu'ils arrivent à envoyer les deux box en même temps, on ouvrira les deux box en même temps. Il n'y a pas de raison que, voilà, ça sera long, mais on y sera. Parce que comme je dis toujours, plus c'est long, mieux c'est. Voilà, bon, on va rester sur ça. Et du coup, pourquoi les autres produits sont pas impactés? C'est tout simplement parce que ça ne suit pas le même chemin en fait. Vous allez avoir des magasins, des boutiques en ligne qui vont expédier par d'autres trucs et tout ça. Par d'autres, voilà, les bateaux. Mais alors, il y avait eu la possibilité d'envoyer par container. Donc c'est-à-dire que le bateau, il traverse la moitié du monde, en fait. Donc bilan carbone, il est pas ouf. Mais ça prend trop de temps. Ça prend de 4 à 8 semaines. Pour un truc mensuel, c'est pas bon.
Et donc c'est le c'est le même problème, voilà, c'est un problème de temps et de place et et malheureusement personne, enfin personne, tout le monde est impacté du fait que voilà, le Japon est à l'autre bout du monde et nous on est de l'autre bout du bout du monde. Je sais pas si vous suivez, mais voilà, c'est corrélé. Et du coup on est obligé fatalement de passer soit au-dessus de la Russie, soit au-dessus de l'Ukraine, avec tous les désagréments que ça engage. Du coup, des nouvelles routes, je sais pas si on dit ça pour les avions, des voies aériennes peut-être, sont en train de se dessiner. Ça prend plus de temps, donc il y a plus de temps, plus de carbone, plus de oui, plus de carbone du coup, mais plus de kérosène, plus de trucs, plus de voilà, des taxes, des machins, des trucs. Donc, il y a un moment donné, ils vont nous augmenter les prix. Je suis pas dupe, mais pour l'instant, voilà, on n'a pas le choix. Et tous ceux qui attendent des box comme moi sont là en train de dire, mais on n'a pas le choix, putain. Pas le choix de, que d'attendre des bonnes nouvelles. Que voilà, bisous à l'équipe de Nyan Box, courage à eux, force à eux. Je sais qu'ils essayent de répondre, mais enfin. Alors, nous, on est en France, faut pas oublier qu'il y a un décalage horaire, du coup, et qu'ils sont au Japon. Ils essaient de répondre à tout le monde, mais bon, ils peuvent pas répondre à tout le monde. Je sais que moi, j'ai envoyé un message, ils m'ont répondu 4 jours après. Ils m'ont répondu 4 jours après, quoi. Et du coup, voilà, force à eux. S'il y a une nouvelle, je vous en parlerai. Pour l'instant, voilà, la situation elle reste un peu bloquée. Pour ceux qui ont commandé des trucs, peut-être sur Yata Japan, je sais pas si ça est arrivé, je sais pas si Yata Japan est aussi impacté que Nyan Box, parce que même si c'est la même entreprise, je sais pas s'ils expédient de la même façon. Donc à voir, si jamais, voilà, ils voient Yata Japan. Et voilà, je peux que attendre, on ne peut que attendre malheureusement. Des nouvelles bonnes, je l'espère. Et voilà, je vous dis peut-être à la fin du mois pour une ouverture de deux box en même temps. Et aussi, il va falloir penser au mois prochain. Voilà, je vous laisse sur ça. Je sais que c'est pas joyeux du tout là, la vidéo là, elle est pas joyeuse du tout. J'ai peut-être cassé l'ambiance chez vous, mais je m'en excuse. Hein. Mais voilà, je voulais vous tenir au courant des petites news un peu Nyan Box que j'ai. Hein, et j'ai pas toutes les infos non plus, donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des retours, des infos, si vous avez commandé, si vous vous êtes abonné, pile à ce moment-là, le moment où il fallait pas, mais bon, voilà, malheureusement, on choisit pas ces choses-là. Et voilà, et je vous dis à très bientôt, à très vite, j'espère. Portez-vous bien d'ici là. Je sais pas quoi vous dire de plus. À ciao.